des choses bien réelles que tu n'as jamais vues. Ça, c'est une tête de fourmi observée au microscope à électrons, qui permet des grossissements jusqu'à 2 millions de fois. Voici donc une mini grenouille, 10 fois plus petite qu'une pièce de monnaie. Et là, un avocat géant, une tortue avec les yeux bleus, trop mignon, des chenilles australiennes rampant les unes derrière les autres, un poisson volant qui atterrit sur le bateau de ce pêcheur. Ses nageoires pectorales très développées lui permettent de sauter hors de l'eau et de planer quelques instants. Un coucher de soleil vu depuis l'espace, une libellule vue de près, si fragile, un impact de foudre sur la carrosserie d'une voiture. On dirait une œuvre maya. Tu savais qu'une bouteille de coca ressemblait à ceci avant d'être gonflée par une machine qui lui donnera sa forme finale? Cette pierre en aluminium a été créée à partir de canettes fondues. Voici une feuille dont il ne reste plus que les terminaisons nerveuses. Cet appareil aquatique étrange est tout simplement un sous-marin, une place. Faut pas être claustrophobe. Ça, j'ai eu du mal à comprendre de quoi il s'agissait. C'est une navette spatiale qui quitte notre atmosphère. Voici l'Elasmotherium, une grande licorne, oui, qui a vécu il y a 29 000 ans. Voici une tomate mutante, biscornue comme il en existe beaucoup, mais celle-ci a la forme d'un canard.